Oui, mais parce qu'ils ont soutenu cela. Il ne peut pas être africain et soutenir une décision de la FIFA qui n'a rien à voir avec la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour les Africains. Hein. C'est pas pour les Américains, les Argentins, les Européens et tout autre. La Coupe d'Afrique, elle a été faite pour l'Afrique. Donc, je ne peux pas comprendre comment est-ce que quelqu'un de l'Égypte ou du Maroc peut venir contredire ce que les Africains disent. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Soit ils sont Africains, soit ils sont Européens, ils vont jouer pour l'Europe. Et il faut être là-dessus, il faut être correct et dur. On ne peut pas accepter cela. Les Égyptiens sont africains, les Marocains sont africains. Ils doivent donner des opinions qui vont pour l'Afrique, pas contre l'Afrique. On ne peut pas accepter que quelqu'un s'élève pour aller dire que le Cameroun ne doit pas organiser la Coupe d'Afrique. Lui, il est qui? C'est lui qui dit ça. Il est qui pour qui dit ça? Le Cameroun qui a fait en sorte que l'Afrique est aujourd'hui cinq pays en Coupe du Monde. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le Cameroun qui a le plus de ballons d'or africains, vous trouvez ça normal? Non, il faut qu'on arrête cela. Si on est africain, on soutient les pays africains. Moi, j'ai toujours soutenu les pays africains, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et autres. Puis jamais aller contre un pays africain. Et ce n'est pas bien ce que le Maroc fait, ce que l'Égypte fait et autres. Non, ce n'est pas bien.